jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler de la taille des plantiers. Donc un plantier, c'est une vigne qui est du moment où on la plante jusqu'à l'âge à peu près de 3 ans. En fait, c'est le temps que les racines s'implantent bien au niveau du sol. C'est pour ça qu'on lui laisse 3 ans. Donc pendant 3 années, elle ne va pas produire. Donc là, on est sur un plantier qui a été planté en 2017. C'est un cépage rouge, c'est du Côte ou du Malbec. On ne lui donne pas toujours le même nom selon les régions. Alors, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer deux modes de taille. Donc, juste, je vous présente. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pied de vigne. En fait, c'est la souche, mais pour l'instant, ça, on considère que c'est toujours un pied. Et ensuite, après, ça, c'est le cordon qui est au niveau du fil. Donc, comme nous, on est tout en taille mécanique, on a préparé pour de la taille mécanique. Donc, on l'a mis juste sur le fil porteur. Donc, sur un pied comme ça, comme il est relativement, il est bien formé, ben en fait, je vais le laisser comme ça. Je vais juste nettoyer et couper juste le bout du cordon parce que cette partie-là, elle n'est pas suffisamment jolie pour le garder. Voilà. Donc, pendant la campagne, en fait, elle va commencer à faire des raisins. Et nous, ce qu'on fera, on les enlèvera, les raisins. On fera donc de la taille envers, ce qu'on appelle de la vendange envers, pardon, pour que le pied s'implante bien et qu'elle ne mette pas d'énergie dans les grappes. Donc, la deuxième méthode, donc là, vous avez vu sur un pied qui est bien formé, que le pied est bien monté. Je vous montre un deuxième pied. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le pied toujours est monté relativement haut. Mais par contre, le cordon, il est plutôt faible. Il est trop petit. Moi, pour moi, il ne me convient pas. Donc, je préfère perdre une année. Donc, on va faire de la taille à blanc. Donc, ça veut dire que je vais laisser 1, 2, 3, même 4 yeux. Alors, il y en a certains qui en laissent beaucoup moins. Moi, je vais en laisser 4 parce que comme on est en agriculture biologique, on fait de l'intercept et je préfère laisser un petit peu de hauteur. Comme ça, le tâteur de l'intercept, il pourra détecter le pied et s'ouvrir. Donc là, je taille ici à ce niveau-là. Hop là. Et tout le reste, je l'enlève. Donc là, je vais vous montrer un plan qui n'est pas arrivé au fil. Donc comme vous pouvez le voir là, on a le pied, il s'est arrêté à ce niveau-là. Donc là, automatiquement, je vais faire de la taille à blanc parce qu'en fait, là, pour l'instant, il est trop, il a pas suffisamment d'énergie pour arriver au fil. Donc là, pareil, je compte à peu près 1, 2, 3, 4 yeux et je coupe ici. Voilà. La parcelle, donc j'ai plus de plantier à tailler. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et puis merci d'avoir regardé la vidéo.